Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de TA2. On se retrouve avec notre petit groupe qui était, je crois, prêt à partir à l'aventure. Hein. Si on regarde un peu ce que porte le groupe, oui, on a un petit peu d'équipement, on a de quoi commercer, on a de quoi équiper une éventuelle personne qu'on recruterait et on va donc pouvoir partir en balade. On a 14 tours de bouffe, 10 tours, c'est pas mal. Donc je crois qu'on avait dit qu'on allait essayer d'aller rechercher un peu ce terrain artefact pour voir ce que ça faisait. On monte un peu le son parce que je trouve que c'est un peu bas, voilà, c'est mieux. Vous m'avez dit, j'ai appris du coup que en fait on pouvait recruter des gens à la taverne, mais il fallait avoir au moins 50 de loyauté avec une faction. Donc on va essayer d'aider encore un peu les Slaviennes là, pour qu'ils nous aident en retour hein, tout simplement. Au niveau des constructions, qu'est-ce qu'on faisait? Je sais plus. On avait un mec qui cuisinait, ok, très très bien, donc le poisson cuit on va le virer. On faisait des salades de poisson, et ici on ramassait un petit peu de bois, on a 7 de bois, ouais on peut en ramasser un peu, c'est pas la mort. Ça me va. Donc on profite que c'est la nuit hein, pour se déplacer un peu, parce qu'on est plus costaud comme ça. On va aller là. Et on va camper, je crois qu'il faut... Oui, il faut qu'on rame... C'est 800 pour se poser là, la vache. Ça pique. Bah du coup on va poser le signe qui va ramasser ça, et ici on va ramasser un petit peu de fer, ça le fera très très bien. L'équipement... Ouais, lui il a son outil de récolte, c'est pour ça qu'il est aussi efficace. Ça joue. Tiens, lui il est très fort en artisanat par contre, j'aurais peut-être dû laisser cet outil à l'arrière. On n'a pas encore eu l'occasion d'utiliser notre parchemin, on verra si ça se présente. En attendant, alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, on a de nouveau un mec tout au fond d'un trou. Alors, on lui demande où il est. Alors, cette fois, on va lui demander pourquoi il est tout seul au fond. Donc, il nous dit qu'il était un hunter. Bon, allez, cette fois on va essayer de le sortir. La dernière fois on avait laissé tomber l'idée, et au final ça aurait pu nous rapporter après, donc on va voir. Ok, donc on a un huge snake. On va tenter cette fois. Il nous dit qu'il a pas vu de corne, donc on retente. Un ours, ah oui, très très bien. On a sorti un ours. Bon, il y a notre village qui est là, donc je pense que ça devrait bien se passer. On va attendre un peu de voir où est-ce qu'il va se poser, qu'est-ce qu'il a. Ok, il est plutôt balèze. Mais il a pas d'armure, on va donc poser la missigne devant pour tanker un peu. Et on a quoi d'autre? Donc on a lui qui peut augmenter la vitesse. Je crois que c'est deux personnes. Hein. Ouais, c'est deux, hein, je crois. Ah non, c'est une seule. Bon, on va le faire alors. On va directement augmenter le signe pour qu'il passe un peu devant. Et après, on va poser lui. Alors, qu'est-ce qu'il a? Drain de volonté. Et donc ça vole un peu de vie. On va le poser là. De toute façon, il va sûrement se poser en double. Hein. Il n'a pas trop le choix, il est tout seul. Normalement, on a aussi quelques sorts du coup avec lui. Là. Attaque basique. Ah non, son parchemin ne sert pas... Baisser un peu la musique, ouais, en fait, elle est un peu forte. Son parchemin il sert pas pendant les combats. C'est vraiment que du défi basique. Alors ce qu'on va faire du coup c'est qu'on va les affaiblir un peu, parce que 14 points de dégâts ça pique un peu quand même. Voilà, comme ça il passe après notre petit démon. Et du coup il nous reste... reste 3 points, donc on peut rejouer quelqu'un. Ouais, normalement là on devrait de toute façon le one shot, donc il n'y a vraiment pas trop lieu de s'exciter. On va le réaffaiblir encore un petit peu au cas où, et c'est parti. Allez, on attaque celui-là, de toute façon c'est 3 fois le même et c'est terminé. On récupère un petit peu de viande du coup. On va lui crier dessus. Et il nous dit qu'il n'a pas vu notre corde, qu'il ne sait pas ce que ces animaux sont. On va essayer de le tirer.
Et du coup, bah, comme on pouvait s'y attendre, hein, il s'enfuit, tend son anneau et il disparaît. Ok, très bien. Bon, on a quand même gagné un petit peu de trucs, c'est toujours ça de pris. Alors là, bah, on cuisine. Est-ce qu'on pourrait faire des trucs plus intéressants que cuisiner? Ramasser un peu plus de malachite, ça pourrait être pas mal également. Je pense que niveau cuisine, là, on est bien. Regardez, mais non, c'est là. Ouais, on a 34 et 24 là, on est quand même plutôt pas mal. Au niveau du bois, on en a 11. C'est pas ouf, mais ça le fait. On va continuer à ramasser un peu de malachite. Et passer le tour. Donc on a ramassé encore un petit peu de bois. Là-bas, on continue de ramasser. Ça va être une petite session récolte, je pense. Donc là, on va arrêter de ramasser ça. On va peut-être voir. On n'a pas du tout de quoi débloquer des bâtiments. Hein. C'est combien déjà les bâtiments? Ah ouais, non, on peut pas les voir même quand on a pas assez de points, on peut juste pas les voir en fait. Dommage. Alors, il pourrait faire un peu de recherche lui pour aider à avancer. Ouais. Avant ça, faire un petit peu d'outils d'artisanat ou de récolte. Ça peut être pas mal, hein, on a vu d'avoir des outils de récolte pour les mecs qui sont loin. On peut faire ça, c'était combien? 18, ok, donc on peut pile poil faire ça. Peut-être mettre un peu de malachite, non, il en faut 10. Outils de récolte en fourrure. Récolte améliorée de 7. Un peu plus de perception, un peu plus de récolte, ça peut être pas mal pour les gens qui sont en vadrouille, ça. Après là c'est quand même 7 hein, la récolte. On va regarder un peu hein, parce qu'il faut voir si on peut trouver des trucs compatibles. Genre ça c'est 0,5 et ça c'est de l'essence du vent. Non, on perd en... S'il n'y a qu'une seule essence, on perd quand même en qualité. Si je mets du bois... Si je mets du bois, ça marche mieux. Le vent est compatible avec le... est plus compatible avec le... avec la fourrure que l'ambre, apparemment. Donc du coup, on va partir sur... ouais, 2 de perception, 5 de récolte, ça me va bien, ça. C'est parti. Hop là. On va le faire fabriquer ça tranquillement. Ici, on en est où? Ouais, ça avance bien. C'est parti. Ça gueule parce qu'il n'y a personne qui cuisine. Hein. Alors, oh merde, on a une tempête. On va essayer de protéger nos trucs. Et malheureusement, c'est un échec. Il doit y avoir quelque chose qu'il faut pour qu'on puisse protéger. Putain, la vache, tout ce qu'on a perdu, quoi. De l'or, de l'argent. Perdre de la vie. Ça fait mal au fait, ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors qu'on voyage, on entend un petit bruit. Ok, on va investiguer. On voit une petite créature enfin poilue, avec des yeux jaunes et des dents pointues. Et il est attrapé dans une espèce de piège fait par des orques. Donc on dit soit on l'aide, soit on la laisse dedans. Si les orques ont fait un piège, ils risquent d'être mécontents. Soit on la bute pour l'achever. On va essayer de l'aider, tiens, pourquoi pas. Alors, vous la libérez. Mais il est clairement affecté par du poison. Alors, on a des médecins expérimentés et des hommes intelligents. On peut essayer de la soigner. On va tenter. On a quand même Malvin, l'expert de la bande. Oh, ça va être du poison hein. Tout à fait raisonnable. Allez, on va envoyer Malvin argumenter avec. Ces arguments habituels. Ok, il se pose là-bas, très très bien. On a eux aussi hein, qui sont disponibles, donc on peut mettre un petit peu de bouclier ou affaiblir. Affaiblir lui et lui. On peut poser lui, il a quand même 19 de défense, hein. Il peut bien tanker en face là. Alors ça pourrait être intéressant d'avoir
Malvin prêt à argumenter là-bas aussi. Avec notre dernier point, on peut pas faire grand chose. C'est parti, ici. Du coup, on peut pas le finir, mais on a Malvin derrière qui va se le faire, tant pis. Comme ça, là, il tape dans l'armure. Ici, on le termine. Par contre, on va se prendre des attaques empoisonnées derrière, mais bon, ouais, ça va. S'il attaque l'armure, ça va. Là, il nous touche un peu. Normalement, il ne devrait pas survivre à cette deuxième phase. Voilà. L'argument solide. Alors, on arrive à soigner le poison et les blessures. Et elle nous parle. Ok, donc il nous dit cette fois, c'est pas passé loin, je vous remercie. Tac tac tac. Donc il nous dit la tradition voudrait que je vous offre mes services, puisque je suis un démon des maisons, du foyer. Mais malheureusement, je suis déjà engagé. On n'a pas de bol avec les gens qu'on aide, hein. Comme par hasard, ils ont toujours d'autres occupations. Il nous dit cependant, les dettes sont toujours un problème pour mon ego. Donc il nous redirige vers des biens qui n'attendent que nous pour les sauver. Parfait. Alors où est-ce que c'est? Ok, là on a des quêtes du coup. Tiens, ce serait pas des marchands liés à notre quête du mec dans son trou là. On va essayer d'aller voir une fois qu'on aura tout ramassé. Et on a un petit niveau ici. Alors on peut améliorer la hache. Je crois qu'il en a, il en a déjà la hache. Merde, c'est là. Équipement. Malvin, tu as déjà une hache, hein. Oui, tu as déjà une hache. Bon, qui fait pas très très lourd de dégâts pour l'instant. Donc on peut améliorer la hache. Ou alors améliorer l'attaque basique. Ouais, bah non, on va carrément améliorer la hache. Yep. Améliorer l'attaque basique, ça ira. Ok, donc le prochain tour, on aura recherché ce terrain artefact. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va les inverser. Non. Hop, hop, voilà. Lui, il va suffire pour finir ça. Et ici, on va pouvoir terminer ça aussi. C'est parti. Alors. Donc on arrive près d'un petit étang. Il y a un signe qui dit... jetez-nous un cadeau de bon métal ou de bonne gemme et la dame du lac va vous bénir. Ouais. On peut jeter un topaz ou de l'or. Une tunique de topaz. Ah, et puis il faut envoyer 3 quoi. Ouais, bah non, c'est bon, ça ira. Ouais, on va pas. Ça sent l'arnaque un peu, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Ça sent un peu l'arnaque. Ok, donc on a ramassé notre fer, on a ramassé notre ressource artefact qui nous a révélé de l'argent, c'est parfait. On va donc lever le camp. Donc c'est eux hein, qui... oui voilà, ils ont plus que 3 tours de combustible, mais c'est pas très grave. On va lever le camp et on va aller par là-bas. Donc là on a pas mal de choses à faire, il y a moyen que ce soit intéressant entre les ruines et les deux éventes là. On fera ça au tour d'après. Ici, à quoi ça ressemble ? Au niveau de la récolte, on ramasse. Au niveau de la construction, bah il est construit, hein, tant bien que mal. Pas trop de stress. Hop. On trouve une mine abandonnée. Ok, rentrons dedans. Et on dirait qu'on peut ramasser encore un peu de ressources. Bon, on va tenter. Alors que vous êtes en train de creuser, vous voyez une lumière approcher. On dirait un petit homme avec une barbe grise. Et des grands yeux, des yeux anormalement grands. On va lui dire hello. Et il nous dit ouais ouais bonjour, mais qu'est-ce que vous foutez dans mon tunnel? On va s'excuser et dire qu'on voulait miner. Il nous dit no. Ok. Il fait tomber de la poussière d'or pendant qu'il nous secoue son poing dessus. Je suis pas sûr que ce soit un humain. Hein. Ok, on va lui dire d'accord, mais est-ce que tu veux trader? Il nous dit si vous me donnez la moitié de votre nourriture, je vous donnerai des bonnes ressources.
Et non, je ne voudrais pas exactement quoi. On va à Grid. Il nous donne quand même. Ah ouais, bon, on a perdu 6 tours de poisson, il nous donne 16 d'or et 20 d'argile, ça va. Et en plus, on a une bénédiction. Parfait. Parfait, parfait. C'est très très bien. Et du coup, on gagne un niveau. Alors, on peut de nouveau améliorer l'attaque basique ou la hache. Bon, on va améliorer la hache, hein, parce que le signe noir il est un peu en mode badass. Et vu qu'on a un petit point, on va aller regarder ce qu'on peut construire. Alors, l'entrepôt. Bonus de récolte. Ouais. La forge confère un bonus d'artisanat. Ok. L'armurerie améliore la défense des villageois, ça peut être pas mal parce qu'on n'est pas très très nombreux. L'école fournit des points de recherche à chaque tour. Ah, ça c'est pas un truc à faire assez tôt, je pense. Un foyer pour que le moral ne tombe pas trop bas. Ou une herboristerie. Je pense qu'on va débloquer l'école. Ça peut être intéressant. Alors je pense qu'on a largement pas ce qu'il faut comme ressources, hein. Ça a l'air de coûter une blinde. Bâtiment. Ouais voilà. 70, 60, 30. On a assez d'eau pour le matériau secondaire. Il faudrait donc qu'on ramasse un max de bois. Ok, très très bien. Et ben on va commencer à préparer ça. Dès que lui aura terminé la samalakite, on verra s'occuper du bois. De toute façon, il va nous falloir du bois pour... Voilà, eux du coup ils ont combien de nourriture? Ah, ils ont plus 3 de bouffe hein, avec ces conneries. Bon, on va essayer d'aller par là, voir ce qui se passe. Alors, on trouve une petite maison abandonnée qui s'est à moitié écroulée. On voit que quelqu'un a essayé d'enlever les débris, mais ses efforts ont échoué. On va essayer de les enlever nous-mêmes. C'est niveau 3 quand même. Hein. On a amélioré nos haches, mais c'est quand même du niveau 3. Et moins que ça soit la violence. Oui, c'est la violence. C'est la violence, mais heureusement... On est violent nous aussi. Donc on va envoyer le signe se faire plaisir. Alors on pourrait diminuer la vitesse. Ouais, on pourrait diminuer lui. Et du coup il va être beaucoup plus rapide là, voilà. En plus on a un bonus avec ce truc là contre les armures. Hein. Ouais, complètement. Très très intéressant du coup. Et du coup ce que j'ai bien envie de faire c'est de le reposer une troisième fois. Alors si je fais ça, il sera à 9-7. Ouais, je vais le poser avec son truc empoisonné là, comme ça il va pouvoir laminer un peu les gens déjà blessés. Alors, voyons voir. Non, je vais viser lui, s'il te plaît, pour entamer son armure. Voilà. Ensuite... Bah je vais aussi me débarrasser de lui, hein, c'est lui qui fait le plus mal, donc go. Hop. On va se prendre quelques coups mais ils passeront pas notre armure donc c'est pas un problème. Juste derrière, on va les terminer. Voilà, avec le bon soutien de l'ami Malvin, le signe aura quand même réussi à gérer les débris à lui tout seul et ça c'est beau. Alors, on arrive à rentrer du coup, la plupart de l'équipement est foutu, mais il y a quand même quelques trucs, donc on va ramasser ce qu'on peut. Une arme d'ast en fer, hein, pas mal. Une hache de bataille en fer également. Du gratin de champignons, bon ça fait un de bouffe en plus, c'est toujours ça de prix. Et puis du blé. Alors, équipement. Donc on avait déjà une arme d'ast en fer, a priori, c'est la même qualité exactement. Ah, quoique la jauge est un tout petit peu plus remplie mais ça a pas l'air de faire de miracle hein. Elle coûte un peu plus cher et elle est un peu plus légère. Bon. C'est pas taré, elle a été faite avec de l'ambre quoi, au lieu d'être faite avec du bois. Et ce truc là, 10 de dégâts, c'est bien badass. Par contre, on a plus le truc qui fait que quand on se pose, on fait des dégâts directement. Ah, j'avais pas vu, on est splendide et séduisant, tiens. C'est tellement vrai. Et Malvin, il est rien. Okay. Je suis désolé, Malvin. Bon,
Ouais. Si j'améliore ça, c'est basé sur la perception, donc ça va pas faire de miracle. Non, non, on va garder la l'âge d'armes, l'arme d'ast en fer, c'est quand même plutôt pas mal. Bon, on a réussi à gagner un tour de nourriture, et ça c'est plutôt cool. Alors, on arrive à côté des ruines d'une ville. On va essayer d'utiliser notre perception. Alors, la dernière fois, on a cherché la place, ça s'est pas bien passé, donc on va essayer de suivre les traces. Alors, on suit les traces et on trouve un groupe de personnes. Ses yeux sont... Leurs yeux sont... Merde, vides. Avec la lumière. Ouf. Donc ils nous regardent et ils s'en vont, mais il y a un groupe de Lightwhips qui nous attaque. Très très bien. Donc du coup, ils ont été apparemment attaqués par des Lightwhips. On va donc se défendre et puis bah, peut-être pouvoir les récupérer. Alors on va pas se poser tout de suite, on va attendre parce que on va pouvoir du coup lui faire des dégâts en le posant.